Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur FreeCommerce. Vous allez vous y habituer, mais je vais faire pas mal de vidéos sur FreeCommerce parce que c'est un outil que je pense utiliser beaucoup plus dans les semaines à venir et les mois à venir. Tout simplement parce que je commence à comprendre comment ça fonctionne et j'ai hâte de vous partager vraiment tout ça. Voilà, je vous ai sorti une première vidéo où on découvrait la plateforme que vous pourrez retrouver en fiche. Je vous conseille de commencer par là. On voit comment est configuré un bot, comment ça marche. On voit les basiques sur le QFL, par exemple, notamment. Je referai sûrement une vidéo là-dessus, mais voilà. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer une solution à un des problèmes que j'ai eu au tout début sur la plateforme, c'est que j'arrivais pas à avoir la visibilité vraiment sur l'évolution de mon portefeuille, comment ça se passe, etc. Je ne comprends toujours pas comment ça s'est fait. En fait, j'ai vraiment du mal parce que j'ai pas perdu 757$ avec FreeCommerce. Si on va dans l'histoire, en fait, j'ai du positif vu que je suis en bénéfice de 25$. Et en fait, j'ai trouvé une plateforme qui est entièrement gratuite. C'est une plateforme qui est en bêta, ça s'appelle 3C Tools. Je vous montre à quoi ressemble le site. Voilà, 3C Tools. En fait, vous allez venir la connecter à votre FreeCommerce, c'est hyper facile. Donc là, je suis déjà connecté, mais il vous explique tout le processus pour se connecter. Vous avez créé une espèce de clé API aussi qui va permettre de connecter les deux plateformes. Et en fait, vous allez avoir beaucoup, beaucoup plus facilement les résultats de vos bots. Donc là, par exemple, on voit des visions qu'on peut avoir sur la plateforme et donc qui sera connectée à votre FreeCommerce. Donc, ça prend 5 minutes à connecter. À partir du moment où c'est connecté, vous mettez cet onglet dans les favoris et vous allez pouvoir suivre au jour le jour ce qui s'est passé. D'ailleurs, on voit que le mec se fait plaisir avec des super gains journaliers. On arrive sur notre dashboard. Donc là, premier truc qu'on fait quand on arrive là-dessus, on fait refresh. C'est une fois qu'on est connecté. Alors pour connecter ça, de toute façon, dès que vous créez votre compte là-dessus, vous allez avoir une vérification par mail et après ils vont vous guider étape par étape pour vous connecter. Donc vous suivez juste les étapes et voilà. Donc aujourd'hui, par exemple, on voit actuellement j'ai 7 bots, j'ai pas de paper trading, c'est du trading, j'ai envie de dire en backtest. Vous dépensez pas d'argent en fait, si vous voulez, ça vous permet juste de tester vos bots. J'en ai pas, c'est une fonctionnalité payante, c'est une des seules options qui peut. Pour l'instant, d'après ce que j'ai vu, vous incitez à payer parce que c'est accessible dès 14,50 € par mois. Si vous faites de gros volumes, ça peut être intéressant de payer 14,50 € pour tester de nouveaux bots. Voilà, je pense, hein. Et du coup, on peut voir que cette semaine, par exemple, j'ai réalisé 1,39 $ de gains. Ce mois aussi, du coup, que les 30 derniers jours, j'avais réalisé 24,43 € parce que j'avais déjà retesté quelques bots avant de vous faire les premières vidéos. Et aujourd'hui, j'ai pas eu de résultats. Alors, tac, 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 ça a été rafraîchi à 20h41. Ok, parce que en fait, j'ai l'impression qu'il y a une petite latence dans la lecture des résultats. C'est pas hyper grave. Mais voilà, j'ai eu ce trade qui s'est terminé à plus 1,97 aujourd'hui. Donc ça devrait pas tarder à arriver sur 3C Tools. Donc là, c'est le premier écran que je trouve vachement bien, savoir notre gain sur 30 jours, sur 7 jours. Ici, on va avoir les bots avec les plus gros gains et on voit que c'est ce bot, donc ça. Ok. Donc actuellement, vu qu'aujourd'hui j'ai pas de data, ben, c'est un bot qui arrive au hasard. Mais on voit que sur 30 jours, c'est ce bot qui m'avait rapporté 15$ et celui-là qui a fait sa position hier qui m'a rapporté 1,39 €. Si on clique sur ce bot, on va pouvoir regarder combien on gagne par deal à peu près. Donc deal, c'est un trade tout simplement. La durée moyenne de nos trades, là, elle est de 791 minutes. Sachant que de ce que j'ai vu, si vous reprenez les mêmes paramètres que moi, les trades peuvent durer quelques minutes, comme 2 jours, je pense. Voilà, c'est un ordre d'idée, quoi. Donc là, j'ai eu que 3 trades avec ce robot que j'ai arrêté, mais qui était à peu près un petit peu comme celui que je vous ai montré dans la première vidéo. Vous voyez, vous avez quand même vachement d'informations. Vous pouvez aller rechecker tous les paramètres que vous aviez mis, les paires que vous avez sélectionnées. Voilà, vous êtes quand même assez libre là-dessus. Vous allez pouvoir regarder les deals actifs. Voilà, il n'y en a pas, hein.
Vous allez pouvoir regarder les intérêts composés, comment vont travailler vos safety orders, par exemple. Vous avez vraiment une grosse, grosse possibilité d'analyse là-dessus. Et c'est pour ça que j'aime bien. D'ailleurs, si je vais dans Active Deals, ah, ça a quand même trouvé qu'aujourd'hui, par exemple, je perds 1,04 $ pour l'instant, le trade n'est pas fini. Si je retourne sur FreeCommerce, que je vais dans mes affaires, vous voyez que j'ai mon take profit qui est là. J'ai mon premier bail de sécurité qui est juste là en fait. Donc si on continue de descendre un petit peu, j'aurai mon bail de sécurité, ce qui fera baisser mon take profit, tout simplement. Donc voilà, je voulais vraiment vous présenter cette plateforme parce qu'elle est vraiment hyper utile, je trouve, et ça nous montre vraiment quelque chose de. Ça nous simplifie la tâche avec FreeCommerce parce que je trouve que ici, c'est pas le plus facile à comprendre et à prendre en main. Donc voilà, c'était cette petite présentation de 3C Tools. Je vous mettrai bien sûr le lien en description de la vidéo, et si vous n'êtes toujours pas inscrit sur FreeCommerce, vous avez le lien pour vous inscrire sur la plateforme et bénéficier de 10% sur votre abonnement sur la plateforme. Sachant que je vous ai dit, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre l'abonnement directement, et vous avez aussi une autre possibilité pour continuer en gratuit, c'est d'utiliser FTX. Vous avez juste le trading papier qui n'est pas pris en compte, mais avec FTX, c'est gratuit. Donc vous retrouverez aussi un lien FTX en description de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et un bon trading avec vos robots.